Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a le vernis à sortir ou café. Oh là là. C'est bien ça, d'ailleurs, très bien. Est-il dans les fortes marées, les très fortes marées, elle part à la mer à peu près 8 km. Voilà. Mais là, je vous parle dans les grands marées, à parler des coefficients de 120. Il y a en fait, en face, les îles Chaudet. C'est 365 îles en basse mer et 52 îles en haute mer. Ça va là-haut, le Tatibou, le Verbet, le manif ici là, qu'est-ce que c'est? Bon, mais je veux pas vous presser, mais. Qu'est-ce qu'ils ont tous ces Lorrains là? Il faut monter, on fait 3 semaines. Hein. C'est ce qu'il a dit à différents postes, la salle des machines, bien compliqué. Maintenant par le poste de commande du réacteur nucléaire, là le poste de fabrication d'oxygène, là des systèmes pour communiquer à l'ancienne avec des tuyaux. Salle, chambre d'un officier. Bon bah, inutile de préciser, là c'est une salle de repos pour officiers. De même que le carré a toujours des officiers. Pour passer dans les différents niveaux, il ne faut pas hésiter à plonger là la cuisine, le réfectoire, de la troupe, la salle de détente, une salle d'opération là en dessous. On arrive dans le compartiment des missiles, torpilles et aussi FDOCET. Voilà, pour ce qui est des caractéristiques de l'engin dans le détail.
tranquille sous sa table. Ouais, je suis plus avec toi, hein. Bah, il arrive la mienne. Voilà. Allez, vas-y. Encore un nous. Celle-là ? On va le gagner, celle-là. Oui, ouais. Un point, c'est bien. Il y en a deux. 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 On est pas de temps. Il y en a deux. Daniel, moi, je dis qu'il y en a deux. C'est bien, Daniel. Il y en a deux. Ah, bah, je vois qu'il filme. Ah, mais. Ah, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il est à 3 heures, t'as pas le droit. Sur la bronche, le soir. Celle-là. Attends, il va me donner le point, tiens. Bah, il enlève la mienne. Allez, vas-y. Encore un nous. Ah, moi, c'est l'autre. Tiens, tiens. Tiens, avec, hein. Embarquement. Qu'est-ce que t'avais prévu de choses très variables, d'une dizaine d'habitants à l'année, qui sont essentiellement des pêcheurs, les gens qui s'occupent des gîtes et les employés municipaux. Par contre, l'architecte passe à plus de 400 habitants de construire cette pyramide, car en apprenant dans l'humain que le bassin Michel qui se trouve droit devant nous, ça devient inimaginaire ce qui fait que les pêcheurs grandissent pour les pêcher d'un côté et les cancadés de l'autre. Car en effet, l'extraction du granit est sauvée au fur et à l'époque de côté. Encore les vestiges d'une maison. Quand je vous parlais tout à l'heure des tailleurs de pierre, mais il y avait d'autres ouvriers qui habitaient là. C'était des gouémoniers. Afin d'en récupérer un liquide que l'on appelle la soude, et qui servait dans une fabrique de miroirs installée par Louis XIV à Tours-la-Ville. Thank you.
porte sur le dessus ici. Et la couronne, elle permet d'accrocher la cloche au joug en bois. Il y a le bâton, il vient rattraper la cloche. Il est composé exactement de 78% de cuivre et 22% d'étain. La qualité sonore d'une cloche, elle dépend de ceci, la précision. Vous voyez la différence entre les deux? Pareil, hein? On fait tout le tour. Regardez là-haut, c'est une chape là. Vous voyez, accroché là. On a plus gros, hein, messieurs, dames. Hein, c'est vraiment la plus petite que. On le découpe au scalpel.